Hello, hello et bonjour à toi. Alors, je viens un petit peu tard pour te faire un petit. Du coup, je te fais pas le message, je te fais trois cartes. Un message un peu plus long, du coup. Et on a le temple, on a le septième chakra et on a Happy Family. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, juste pour trouver un peu plus de bonheur, pour être un peu plus heureux, s'élever un peu plus. Ici, on nous parle avec le temple de recueillement. De se recueillir un petit peu plus, de pourquoi pas faire des prières. Pourquoi pas? À toi de voir, fais en fonction, de toute façon, chacun fera en fonction de son envie. Mais ici, on te demande de reprendre un peu le chemin. Alors là, ils appellent ça le chemin du temple. Donc de reprendre un peu, peut-être de retrouver la foi en ce que tu veux. D'accord? C'est toi qui, voilà, tu fais en fonction, comme je dis tout le temps, tu adaptes à ta situation. Donc si tu crois en Bouddha, eh bien, ta foi en Bouddha, Jésus, Allah, etc., etc. D'accord? Tout est valable. Ici, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Et tout le monde est pareil. Donc, voilà, retrouve un peu ce chemin-là de la foi. Peut-être que tu es en train de t'éloigner. Peut-être que tu crois moins en toi ou moins en l'univers. Ici, on nous parle un peu plus de l'univers parce qu'après, on a le septième chakra, le chakra couronne. Ici aussi, il y a l'archange Uriel. Mais voilà, on parle du chakra couronne. Donc, ouvrir un peu. Donc là, on nous parle un peu du divin. Hein. Et pour justement le bonheur, pour être heureux. Donc voilà. Voilà le petit message d'aujourd'hui du divin. Là, direct, on a l'univers qui nous parle et qui nous dit, attention, tu t'éloignes un petit peu, là, reviens, 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 tu t'éloignes. Voilà ce qui vient. Allez, je te dis une bonne soirée et à demain.